Bonsoir, bonsoir, bonsoir. On se retrouve en ce jeudi soir pour la suite de Stationeer, 27e session. Avec Vold, on est en train de discuter des... qu'on va faire et de ce qui a été fait. Un petit débugage en cours, visiblement. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, c'est bon, tout est corrigé, ça fonctionne, c'est parfait. Pour la démo ? Pas des mots, je sais pas. Il suffit de pas parler du problème et les gens ne le verront pas, c'est tout. Donc t'as discuté de tout ce que t'avais fait cette semaine. Ah bah voilà. C'est rapide, hein, c'est ce que j'ai fait juste avant le live, c'est que j'ai raccordé les trois fusées sur le système de fermeture des fenêtres, hein, voilà. J'ai changé le programme et j'ai modifié le bouton de cette fusée-là en retour d'urgence. Exact. Voilà, c'est ça ce que y était pas quand j'ai... Ah, et aussi rapidement, parce que tant qu'on y est, du coup, on va ma touche. Hop, petite idée pour la gestion du préchauffage, comment gérer le gaz. Vu que le gaz chaud envoyé pour le préchauffage, en chauffage du coup, arrivait à une trop grosse pression, évidemment, au bout d'un moment, parce qu'il se remplissait pour augmenter sa température. J'ai juste mis un back pressure qui va renvoyer un surplus, donc c'est-à-dire que le back pressure renvoie 15 mégapascal, tout ce qui est au-dessus de 15 mégapascal, et lui, il va renvoyer uniquement si la température descend en dessous des 1000 degrés. L'échangeur a un peu trop fonctionné. D'ailleurs, j'ai pas. Ah non, j'ai plus de tuyaux. Oui, j'ai peint aussi un peu les tuyaux, voilà, c'est aussi. En bleu le circuit froid et en rouge le circuit chaud. Évidemment, j'ai pas peint les. C'est les nouveaux que je viens de poser. Ouais, mais j'ai fini ma bonbonne. Et mon PC reste ici. Oui, parce qu'il a trouvé des tuyaux rouges. Il reste le rouge avec le rouge. Et donc du coup, voilà, c'est juste une petite bidouille rapide pour que le système puisse se préchauffer, de préchauffage puisse se chauffer avant. Mais de toute façon, maintenant, vu qu'il est en train de vider 35 mégapascal dans le circuit à 1600 degrés, pour l'instant, il va surtout chercher à se refroidir afin d'atteindre les bonnes pressions. Alors pourquoi oui, j'ai dû diminuer la pression parce que le back pressure ne dépasse pas les 20 mégapascal. À la base, je voulais le mettre à 45. Et la sécurité à 50. Mais non. Mais Keto, pourquoi tu mets pas une pompe gérée par IC? Parce que flemme. D'accord. Merci Keto. De rien. Keto, les tutos. Alors ce tuto, flemme. Merci Keto. Non, parce que c'est surtout que la pompe serait intéressante si on a besoin d'envoyer souvent et rapidement. Alors que là, c'est juste pour vider de temps en temps. Quand il va monter en température, et là il est lent parce que il doit arriver à ce niveau de sécurité. Il est assez loin pour la première fois. Mais après, Joseph. Hein. Voilà. On fait quelque chose de compliqué quand c'est utile. Non, pour le plaisir. Le plaisir avant tout. Le plaisir avant tout, justement. La flemme, c'est le plaisir. Alors, on disait quoi du coup? Jeudi dernier, j'ai travaillé dans la salle de stockage pour envoyer une donnée calculée. Bon, c'était un peu long à faire et tout. Cette donnée me permettait de savoir quel lingot et quel stylo n'était pas encore rempli et dire quel lingot on avait besoin spécifiquement dans chaque stylo. Et cette donnée-là, je la récupère grâce au récepteur qui est juste ici, le petit truc qui ressort bien là. Et après, ça s'appelle tous les silos non remplis de stockage. C'est ça, dedans, ouais. Donc il y a des silos qui sont inutiles. Par exemple, le silo des lingots avancé ou intermédiaire, je m'en fiche. Mais il le dit quand même. Hein. Ça peut être utilisé plus tard. Oui. De toute façon, c'est une donnée complète. Hein, donc j'envoie, après je récupère ce que je veux. Quand tu regardes le code qui est là, tu baisses et tu vois qu'il y a pas mal. Quand tu descends dans les selects, tu vois qu'il y a moins 1 sur constantant, électron, une var, parce que je m'en fiche en fait. Mais je le garde ces lignes-là parce que c'est des sauts que je fais.
Donc il faut que ça soit bon ordre. Et vu que j'ai besoin du cobalt et du charbon, du coup j'ai besoin de tous ces sauts-là dans le vide. Select HHH. Ouais. C'est la fonction. C'est la... C'est le côté pratique du select. C'est en fait, au début, je fais un saut avec un JR pour sauter à la bonne ligne. Parce que le H est à 0. Et si le... Et je tombe sur select. Si le H est à 0, alors tu affectes ta valeur, tu es en bout de ligne. Je simplifie énormément. Et quand ça passe au select suivant, bah comme H est égal, est pas égal à 0, alors tu affectes la valeur H. Mais c'est lui-même en fait. Du coup, il garde la valeur jusqu'en bas. Ça permet de faire un if, if, un select, un switch, select, enfin, ça dépend du langage, un case, un select case en programmation. Je t'ai perdu. Je suis en train de lire le truc. Select case. Avec des choix multiples. Quand tu fais, tu contrôles la valeur et tu choisis la bonne valeur en fonction de. Un switch? C'est image, c'est oui, c'est ça. Je te dis un switch. Oui, du coup, un Mais switch. bon, ça, mais ça c'est au niveau concentration code, c'est parfait quoi. Ça fait une ligne pour une valeur. C'est pratique. Le principal, c'est de faire le bon saut. Parce que si tu fais pas de saut, du coup, ça va prendre que la première valeur. Et là, comment ça aurait été le cuivre? Ça aurait pris tout plein de On a bruit. vu le cuivre bien être utilisé tout à l'heure. Et donc voilà. Et donc ce que fait le code, c'est que bah, dès qu'il y a un élément qui manque, si on active sur le petit bouton là, on passe au vert. Ça envoie dans les fours pour que ça soit fondu et après ça arrive au stockage. Et si tu regardes bien, il y en a certains dont le chiffre ne bouge pas. Un bal nickel. Le nickel, je l'ai vu bouger. Ah! Merde, je sais d'en trouver un Ah deuxième. oui, le fer, il a bougé aussi. 3500, ouais. Ouah, c'est trop aléatoire. C'est chelou quand même, hein. Il a bougé le... Ah non, j'appuie. Non, excuse-moi, c'est moi qui ai fait un essai manuel. Donc le fer va jamais bouger. À première vue, le cobalt va jamais bouger. Le charbon, on voit pas, mais il a forcément bougé parce que j'avais mis 50 pour mes tests. L'uranium va jamais bouger parce que on l'utilise pas. Et puis de toute façon, s'il bougeait, déjà qu'il a pas de vendeur, on doit jouer aussi. Non, il y en a pas. Si, il y en a un. Si, il a un vendeur, mais de toute façon, s'il sort, ça envoie bah, dehors. Oui. Ouvert le tuyau, donc. Je regarde, je check si l'argent il bouge. Je crois que l'argent il bouge pas. Donc on a dit cobalt, fer. Et à mon avis, l'argent il bouge pas non plus. Et pourquoi? Ça se trouve, c'est tout con, hein. Mais voilà. Oui, bon, oui. Dès que la valeur est calculée, après le code, il est. Enfin, je disais pas mal fois ce code-là, donc c'était pas très, très compliqué. Donc je l'ai passé sur le mur là parce que je trouvais que c'était un bon emplacement. Il y Bah, avait c'était le plus l'ordinateur qui proche. était là, hein, et Ah, je l'ai tu veux passer passé là? là. Oui, mais je sais pas si. Ah, si, c'est le coordinateur qui gère les trieurs. Mais sachant qu'il faudrait aussi un système qui envoie la glace aussi. Bah pour l'instant, il est en ouverture totale. Ah oui. Mais si dans. On va. Cela, c'est un IC qui envoie du stockage extérieur vers le stockage intérieur, pour simplifier. Au fond, Mais ouais. il faut un IC qui gère le fait d'envoyer la fusée quand c'est nécessaire pour remplir le stockage extérieur. Oui. Donc, le fait d'avoir fait ça et avoir amené le cobalt et le charbon ici, c'est pour simplifier énormément le code. Genre, si un silo ou un distributeur, hein, est à zéro, j'envoie la fusée. Mais oui, parce que du coup, bah, et encore, hein, parce que une fois qu'il y a que c'est, il y a un bourrage, il se passe quoi? C'est un système que tu dois qu'on devra mettre en place comme j'ai fait, hein, c'est-à-dire passer les trieurs en mode IC.
C'est chiant, Oui, ce problème n'arrivera jamais. je pense que c'est l'uranium hein, qui va bloquer. Hein. Et donc du coup... En fait, oui, le code est... Je veux dire, mais non, ça va être compliqué, mais non, en fait, ça va être simple. Je lui dis, non, on pourra pas contrôler la différence entre la glace et les minerais. Donc du coup, il faudra faire des IC pour calculer le fait si on a vraiment besoin de la glace ou du minerai, donc regrouper tous les silos et tout. Mais non, en fait, c'est ultra simple. Les distributeurs sont que sur les minerais. C'est rendre automatique la fusée, hein. C'est pour les leviers minerai de glace ou levier minerai. Oui. Si un distributeur est à zéro, c'est qu'on manque de minerai. Si un broyeur, et ça, il faudrait que les éteindre, hein, bien sûr, hein, sinon ça marchera jamais. Si un broyeur éteint n'a pas en entrée de glace, c'est que c'est vide. Donc il faudra activer le levier glace. Et après, il Voilà. faut pouvoir avant pré-gérer pour quand ils sont allumés, quand ils sont éteints, du coup. Mais... Oui, mais du coup, au moins la partie fusée, elle est simple à faire, quoi. Et ça se fait en hache, hein. Pas besoin d'entrer sur l'IC. Hein. Mais on va quand même rajouter un IC pour le faire, mais comme c'est qu'à toi, ce serait peut-être le IC orange. C'est lui pour la fusée glace pour avancer. C'est lui l'IC auto. Pour faire un lycée orange qui lui aussi gère l'automatisme de cette fusée-là. Et d'ailleurs, ce qui me chagrine un peu, c'est le nommage de ce levier-là, en fait. Levier mode Je auto. Ouais. l'aurais appelé rotation. Mode, tu sais, rotation, en rotation. Et j'aurais mis un levier auto. Pour vraiment le côté automatique. Là, c'est vraiment la rotation, quoi. Le levier auto et le levier sur auto. Tu vois, c'est juste pour différencier. Sinon, ça fait deux leviers auto. Parce que concrètement, il fait juste une. Il est en mode rot. Ah, c'est toi qui as fait? Non, Non, d'accord, il non. s'est fait tout seul. Mais oui, il se fait tout seul. Pourquoi il s'est fait tout seul? T'as dû prendre du gaz chaud, ouais. Ah non, mais non, je suis. Attends. J'suis en train de réfléchir à pourquoi il s'est enclenché. Alors, normalement, je suis pas censé prendre du gold show. Hein. Et on manque pas de fusée. Si, il manque celle-là. Bah, de toute façon, elle vient de décoller. Elle vient de décoller. Oui, je viens de l'envoyer. Ah, donc c'est normal du coup que ça s'est enclenché. Parce qu'elle a dû créer du fuel. Et du coup, il a dû Ah, manquer. il l'avait fait avant, je crois. Je l'avais vu avant, Mais je sais. j'ai pas créé mon petit système pour Oui. arrêter de le rendre trop, de faire trop de demandes automatiques. Regarde, il l'a refait. Et la fusée part pas. Bah, c'est normal, ici, il est éteint. Ah oui, c'est pour ça. Ouais. C'est vrai qu'on avait éteint pendant. Tu l'as. Non, mais du coup, tu l'as pas allumé. Ok. Bah oui, j'ai vu éteint, j'ai laissé éteint, j'avais compris. Juste C'est toi modifier le qui programme. l'avais éteint pour le programme. Non, mais c'est pas grave, de toute J'ai façon, pas il y a de touché la marge. à son programme là. Je l'ai fait tout à l'heure, justement, c'est la seule que j'ai pas touché. Oui, Et non, mais pendant le démontage des bitonio et tout, Bitonio. on avait éteint, du coup. Bon, je pense qu'il faudra la rallumer. Donc je fasse le contrôle. Bon, il y a de la marche, je penserai à la rallumer plus tard. Puis tout, dans le pire des cas, c'est pas grave. Si, ça va vite rattraper, ça crée du fuel assez rapidement. Et donc voilà, faire un. Ouais. Faire un début d'IC auto. Pour le côté ramen et minerai. Donc il faudra juste contrôler les distributeurs. Donc si un distributeur.
est à zéro, alors baissez le levier de minerai et baissez le levier de gestion automatique. Voilà. Et plus tard, gérer la partie glace. Et du coup, on aura au moins une première partie. Depuis le début. Sachant que ces deux réseaux sont séparés. Donc, ah ouais, donc ça arrive, faudra 2 IC du coup. Dommage. C'est con ça, 2 IC juste pour si peu. Juste pour garder le fait que ça soit cohérent, 2 IC là, 1 IC auto, 1 IC fusée, 2 IC là, 1 IC auto. Ah oui, il est pas en face. C'est pas aligné. C'est perturbant, monsieur. Je dirais ouais et non, parce que du coup, ouais. Ouais, mais on peut réutiliser le même pour la glace, du coup. Ce sera deux Ah, ça IC, mais. va... Oui, bien sûr. Ah non, ce sera un seul IC. Limite, on mettra dans la mémoire les deux valeurs. Oui. Tu en Une mémoire mettras. entre deux, quoi. Oui, c'est ça. Ouais. Après, c'est dommage parce que c'est pas optimisé. Faudra penser que ça se gère en deux temps. On est où Mais là du du coup, coup? on aura toute la première partie complète, qui est récupérer du minerai et les créer des lingots de base. Et faudra que j'enchaîne avec la seconde partie qui est créer des lingots intermédiaires et enfoncés de façon automatique. Des lingots de glace. Ça, c'est pas une partie. Ça, c'est pour le système Atmo. C'est pas grave. Mais c'est-à-dire que t'arrives là et tu sais que t'as déjà des lingots acier constantant. Ouais, voilà qui se crée tout seul. Si aucun IC bug, évidemment. Pas ça. Et t'auras rien à faire, quoi. Ça sera 100% automatique. Jusqu'à le côté, tu craftes des éléments à partir de l'atelier. Parce qu'il va chercher des lingots automatiquement qui sont créés automatiquement. Qui sont... Bon, je crée un mur. Ah, il y a une fusée qui décolle. Hein? Bah, Il il sait va chercher le mur. que... Dans enfin, oui. Ouais. Celle de récupération qui sait qu'il y a un mur pas loin. Et quand tout va bien, t'as une fusée qui décolle, qui va chercher les problèmes. Bon, du coup, je vais peut-être faire ça, du coup. J'en parle. Je vais peut-être faire l'IC auto de la première fusée. En espérant que trouver le problème du pourquoi ça appelle pas le fer. Et cobalt. Bah moi je pense que je vais essayer de faire le bâtiment du coup. Faire. Faire non, mais faire le bâtiment. Là maintenant on peut le fermer. Vrai que tu prévois un trou dans le toit dans le cas où il y a un problème Oui, et parce que que la porte va rester la fermée. porte est fermée. Ouais. Ouais, ça, j'y ai pensé. Je sais pas comment je vais le mettre, mais je sais que je vais le faire. Je vais essayer de faire le. L'idée que je. Il n'y a pas des demi-murs, hein, y a pas de moitié dans ce jeu. Un mur ou un mur. Non, mais tu peux tester déjà les murs que t'es, j'avais mis arrondis et tout là. Alors, oui. En fait, tu sais, ça va monter d'ici, le mur. Là où je suis, tu vois, je vois. Et ça va être une pente jusqu'à là. Oui, c'est ça, donc tu es forcément obligé d'utiliser Donc, cela. oui, c'est obligatoire. Sauf que du coup, vu qu'il y aura plein de fenêtres, toutes les deux fenêtres, il faut que je cache ce câble. Donc, je pensais mettre une rambarde, et on pourra monter sur la rambarde. Ce que t'allais dire. Alors, le problème, c'est que si elle est trop profonde, j'ai peur qu'elle masque un peu l'affichage de toutes ces fenêtres. Et une rambarde de Satisfactory aurait été plus adaptée. La quelle version, la dernière ou l'avant-dernière? Parce qu'il y a deux versions de Rambarde. Ah oui.
Bah, Eh ouais. les deux. Puis y a Dogo qui fait la ronde, forcément. Oui. Mais du coup, il n'y a pas de... J'ai l'impression que c'était plus pensé. D'ailleurs, attends, je vais chercher des limaces. Ou booster les machines. Ou booster les machines. T'as plus de fuel? Ah, oh, mais une limace. Hein? Ça consomme plus, hein, c'est pas l'idée du siècle. Ouais, mais au compte, c'est illimité, bon. Forcément. Faudra créer du carburant avec l'uranium, là. Vite. Oui, c'est la centrale nucléaire là. Que l'on voit sur. Non, on n'a pas de problème de production d'uranium, on a un problème de gestion des déchets. Mais bon, c'est. On aura un problème de stockage d'uranium. Hein. Oui, non, mais dans un safe sector, il a juste parti. Ah, oui. De gestion des déchets? Non, on a géré ça, c'est bon, non? On a dû diminuer parce que le calcul n'était pas bon, mais à cause Ah d'une mise à oui. jour et d'une différence du Wikif, traduction française. Ouais, ça fait un peu mal, ouais. Magique. Bon, bah, du coup, faut que. Oui, je voulais être sûr qu'il n'y a pas de demi-mur. Ou de Pas structure confondre qu'on avec pourrait. l'actrice, évidemment. Alors déjà, ça se prononce pas comme ça. Si, avec un accent. Ah, à l'anglaise, demi-mur. Ah. Mais un mur avec une trappe sur le côté. J'ai mis la rambarde au milieu. Alors je sais pas si on peut mettre une rambarde au milieu d'un mur. Il y a plein de trucs à essayer. Non, mais c'est pas grave. Quoi? Tu peux mettre en barre au milieu. Bah en fait je vais la mettre au milieu comme quoi on marche pas dans le trou. Du coup je vais mettre la trappe pas sur le mur mais sur le sol. Jouer un peu avec tout ça. C'est le seul qui a une trappe? Qu'un seul mur avec une trappe, ok. Donc il faudrait que je fasse du mur. Plat. Donc c'est ce qu'on a à l'intérieur généralement. On a un stock ici, ça m'étonnerait. C'est le mur avec une trappe, j'utilise tout le temps quand il y a besoin du mur monochrome. Parce que le mur trappe me guide dans la position du mur monochrome. D'accord. Peut-être quand, Oui, tu sais, quand j'avais oui, dit, oui. c'est les tirets. Les tirets sont dans le sens de la trappe. C'est pratique. Je retiens en fait, j'en démonte un, c'est de gauche à droite. Je le pose, c'est pas bon. Ah non, moi je switch sur la trappe, je fais c'est dans le bon sens, après je switch sur le macro. Sans poser la trappe, hein, évidemment. Ah oui, comme ça, je m'essaye. Là, par exemple, les murs d'en haut, la trappe elle est sur le côté, à la verticale. Et les murs qui sont en bas, c'est que la trappe est horizontale. Voilà, c'est comme ça que je. Grâce au petit tiret du mur monochrome. Tu gagnes du temps en faisant ça. Oui, du coup. Bah après, une fois que tu l'as bien placé, ça enchaîne. Arrête de fermer les portes. Mais oui, ça me perturbe. Y a J'ai fermé quelqu'un? mon menu. Y a quelqu'un? Il y a un fantôme. Oui, c'est Aimé qui est dehors, qui se fait chier. Oui, bah non, il est éteint. Il n'a plus le droit de penser. Sauf si tu passes ton casque à travers. La visière et tu vois qu'il reste allumé quand même de toute façon. Bon, tiens, je peux ranger le studio, j'ai plus besoin. Et la peinture bleue, j'en ai pas besoin non plus. On en avait plus en plus. Et qu'est-ce qu'on a en escalier? On a plusieurs designs d'escalier différents, on n'en a qu'un. Ah, on peut faire des chaises de.
Pour voir le décollage. Faudra aménager la pièce aussi. Ah bah la Villa Thaï Café, oui. C'est pour ça que tes idées sont bonnes à prendre. Une sorte de gare, tu sais, avec des bancs et... Oui. Des bancs, tu sais, dos à dos, ouais, au milieu. C'est ça. Avec des gens qui mettent leurs pieds tout au long, avec des valises qui ont besoin d'une pièce assise, je sais pas pourquoi. Non mais la pauvre valise, tu sais. Ouais. En plus, elle regarde les gens qui sont debout de façon désinvolte, c'est dingue. T'as vu, je suis bien assis. Et pas toi. En plus. Une valise qui... what? Bah je m'assis pas du coup, hein. Est-ce que... Non, en fait, non. Non. Non, en fait, debout, c'est bien, en fait. Y'a pas d'escalier en stock. Ok. Petites expériences. Oh, tiens, j'en profite pour changer ma batterie. Ah, c'est une sauvegarde, je pense. Ouais. J'avais pas capté que t'avais mis automatisé la récupérateur, la fusée récupératrice. Oui. Elle est arrivée là? Oui. D'accord. Oui, coup, elle envoie tout à l'atelier du coup? Oui. Oui, oui. Et encore rien qui est arrivé pour l'instant, mais. Ça arrive. À moins que ça soit perdu dans le chemin, mais. Ou que c'est que des trucs à détruire. Mais... Bon, bien vu que c'était pas le cas. Bon, on s'est censé arriver ici. T'as retiré du cobalt pour pouvoir le remettre là-bas. Un chargeur de pistolet. Un deuxième chargeur de pistolet. Enfin, mal. On est trois. Ah non, on est deux. Donc oui, ça fonctionne. C'est vrai qu'on l'avait pas testé. Hein. Bon, il y a généralement deux, trois objets en double. Ouais, mais le côté que je te dis de mettre un distributeur au bout, c'était... Pour éviter de remplir indéfiniment l'atelier, quoi, la surcharge d'objets. Bon, après, c'est comment dire, un peu un troll quand même, ça.
Épuisé. Oui, c'est pour le plaisir du stream du jeudi. Regardez, oh ça voit de la merde. Des chargeurs de pistolet. Des œufs fécondés. Voilà, c'est pour ça en fait. Pour l'instant, on n'a pas vu. D'autres choses intéressantes, oui. Parce que les chargeurs, il suffit de faire un redémarrage à serveur et ils sont rechargés. What? L'idée, c'est d'avoir des trucs qu'on puisse pas avoir. Il a éteint en fait ou la fusée? Oui, pour qu'on finisse la vidéo, oui, encore des découvertes à faire. Non, j'entends juste de comprendre pourquoi ça distribue pas le fer. Est-ce que l'escalier, je le mets au bout ou au milieu? Tu veux mon avis? DTC? Je viens de te le donner. Ah oui, j'ai pas pensé. Oui, du coup. Il est écrit là. Ouais, je sais, je sais. Parce que du coup... Qu'est-ce que je fais? Je vais tester ce que ça donne. La trappe n'est pas si grande que ça, finalement. Je crois que j'avais de l'acier ici. Yes. Ah! Il me restait pas beaucoup. Bon. Ah oui, mais en fait, on voit pas à travers. Ah, rien. Oh, je suis con. Non, non, on voit pas à travers. Ah, merde! Peut-être que je vais faire un trou. Non, mais ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre des vitres, ou je sais pas quoi, et les câbles, ils vont être en noir, et puis on les verra pas tant que ça, quoi, c'est tout. Ouais. Comme, j'ai mis les câbles en noir dans l'atelier. Hein, Après, tu peux pas forcer... Qui n'existe pas, oui. Oui, je me doute. Foncer mémé dans les orties, quoi, c'est... Voilà. Des vitres... Les vitres qui verrillaient les renforcer à coûte très cher, c'est ça, t'as dit? Les vitres quoi? Celles qui sont avec un quadrillage. Ouais, elles coûtent cher, mais j'ai dit, on est riche, donc on s'en fout. Oui, bon, enfin, ça... C'est du stellite qu'elle a besoin. C'est pas l'armature, c'est le vitrage. Le vitrage, c'est du vitre stellite, je sais plus quoi. Après, faut aimer le design, hein. Mais bon, l'idée d'en mettre un peu là, c'est pourquoi pas. Bah, on va marcher dessus, donc des vitres renforcées, c'est pas déconnant, quoi. Ouais. Par contre, on voit pas super bien hein, à travers. Oui, bah. On voit à travers, mais c'est pas. Privilégier la sécurité. Là, j'ai changé mon code pour envoyer que du fer. Et ça envoie rien d'autre. Et ça envoie pas le fer. Mais. Mais il y a un problème sur le fer, tu t'en es sûr maintenant. C'est quand même bizarre. C'est quand même bizarre. Bah tu t'en doutais un peu quand même. Qu'est-ce que je peux faire? Je crois que j'avais déjà vérifié mais je vais refaire à nouveau. Je vais consulter la valeur du distributeur.
contient le fer, et on va voir s'il retourne. C'est une valeur. S'il n'y a aucune raison qu'il en retourne une autre, hein, mais... Arrivé à un moment, t'essayes tout. Hein. Non. J'ai ma dignité. Pardon ? Chanté. Hein ? Ok. D'accord, on va repeindre ce truc en plan, voilà, voilà. J'arrive à prendre le... Je peux pas prendre le... Oh ! Ouais, moi aussi, j'arrivais pas à poser. Ok, donc du coup... on était parti sur les... renforcés... Ah, puis il y avait des gardes-corps, j'en ai fabriqué comme un con. Elle doit être quelque part, normalement. La fenêtre. Bizarre. Un revêtement. Il a pas posé de... Alors... Renforcer de window, ouais, t'as dû la détruire, t'as dit on va jamais l'utiliser, je sais pas. Non, non, j'ai utilisé pour mon four en bas. Hein. Ah. Ah. J'ai du minerai. Oh. Ah bah. Du minerai. Oh. J'espère que c'est pas le four qui a... Attends, j'arrive. Parce que je regarde. Mais non, on l'a en double, c'est bon, t'inquiète. On l'a en double. Ok, ça va être... Et pile poil à la même valeur. Mais par contre, on a accumulé. Alors, un peu de gain. Ah, ça veut dire qu'il faut tri, il faut rajouter un tri minerai. Non, j'en ai... un tri minerai, un tri lingot, tant qu'à faire. Puis on en verra. Tiens. Non, attends. Y'a un truc qui va pas. Il était supposé arriver dans le tri du stockage, là, le minerai. Ou alors, ça, c'est pas... il est pas passé par le stockage. Je vois que t'es parti et je pars tout seul. Héru. Oui, oui, j'ai beau voir que t'étais pas sur ta chaise, j'ai quand même parlé. Ah oui, parce que j'ai cru voir de loin le... la petite barre de sang bouger, et j'ai dit tiens, il parle tout seul du coup. Non, je parle aux autres. Il y a de tout. Ouais, donc je disais que c'est... étonnant, parce qu'il est pas supposé passer par la gestion du stockage. Du coup, il aurait... il supposé encaisser le nickel, là. Ah mais non, c'est un minerai. Ah oui, donc, non, c'est pas un lingot. Si c'était un lingot, c'était bon. Ouais, je sais pas, ouais. Alors, écoute... On a... de la fast train. Une plante. On a des fleurs jaunes. Regarde ouais, ce qui ça, c'est toutes les plantes. On a du riz. Ouais, et qui pourrait, un propulseur dorsal renforcé. Une perceuse MK2. Vous voulez une perceuse MK2? Bah tiens, je la prends. Un propulseur dorsal renforcé, pas mal. Hein. Ça coûte oui. Cher. Hein. Écoute, c'est aussi des... Bah, non, tu devrais trouver une deuxième... perceuse. Sauf si t'as déjà une MK2. Je m'en fous, j'ai MK2, c'est... on est sur la lune. Oui, bah, c'est gratuit. Ça prend, hein. Non. Voilà. Ça ressemble à quoi du coup, sur la main? C'est pour ça que je voulais un distributeur avec quelques triggers. Ça, tu vois, les plantes, on aurait envoyé à un certain endroit, les minerais à un autre. Oh, bah il y a un moment, faudra. Mais on avait dit qu'on allait gérer ça à un moment. Hein. Et tout ce qui est pas encore prévu, on l'enverrait dans le distributeur.
Parce qu'on veut pas non plus supprimer des trucs. Bon, bah c'est bien, ils sont tout en place pour les lags. C'est parfait. Allez, je m'en vais. Il y a des trucs qu'on a pas vu. Beaucoup de peinture. Ah si, ça, j'avais pas vu. Ça mange ? Ah oui. Faut que je mange. Des herbes. J'aurais dit des haricots, mais... 73... 97... Encore moins de raisons d'aller faire manger, dis donc. Comme si qu'on en avait besoin. C'est forcément pas des débris parce que... Ah. Excuse-moi, je suis en train de comprendre comment ça marche. Ah, tu déploies, bien. Vous déployez le truc. Bien posé. Waouh, c'est bon. Et on. Waouh. Logique, je peux mettre dessus, c'est ça. Il continue à sortir des trucs, ce con. Alors, on a des kits avancés de packaging machine. Alors, des cartes mères d'éditeurs IC. Des cadres en fer, parce qu'on a manqué. Ah, un tour de vis MK2, j'en avais pas non plus. Hop. Je peins en rouge aussi. Et quitte à avancer de... Packaging machine. Qu'est-ce que c'est que ça? Packaging machine. Ah, c'est pas traduit. C'est pas le truc de... Ah oui, ok. Des boîtes vides et de la nourriture pour créer, ok. Ouais, c'est pour... bah, c'est la... Ah, ok, la du descendre. La cooking. La celle qui fait les... Ah là, tu te fais agresser, là. Oui, oui, j'ai vu ça par un épurateur portable. Enfin, deux, techniquement. Non, ensuite, des portes étanches, aussi. Et les bouteilles d'eau sont remplies ou pas? Ça a l'air, je vois de l'eau. Dégage-le. Dommage. L'eau qui se passe, ça coûte cher. Un kit de vanne. Enfin voilà quoi. Voilà les conneries qu'on peut trouver... dans l'espace. Du coup j'ai pas lancé la production des fenêtres. Oui, alors étonnamment, il y a certaines machines qui s'éteignent, d'autres non, et c'est pas toujours les mêmes. Donc il faut une plaque d'acier et... C'est vite. Pour le modèle que tu choisis. J'étais parti sur le dernier... Le premier du coup. Non, c'était pas... La composite, ce sera forcément le plastique. Ouais, j'étais parti sur le deuxième. Si je vois pas trop la différence entre le deuxième et le troisième. Sachant que le quatrième c'est faux, hein. C'est... Y'a un truc, hein. T'as l'impression qu'il y a rien, mais... D'accord, ok. Ouais, ça, donc de plaques d'acier et glace... Et glace... Et... Oui, c'est la fameuse...
fameuse. Il en faut une à chaque fois. C'est un pour un pour un. Ok. J'en ai fabriqué combien là? Je vais savoir. J'ai consommé 25 stélites. Oui, c'est un stélite de toute façon pour. Qui est-ce là? Ah ouais, ok. Ok. Les stélites, on en a 400. Oui, bah c'est large. Oui, de temps en temps, je refais. Pour tester. Est-ce que tu morses toujours, toi? Ouais, ça va? Bon, nickel. Pour tester, non. En général, j'y vais directement en bas. Parce que. Alors. Parce que je passe à côté d'éventuellement bug. Non, de toute façon. Non, il y a un truc que j'ai testé. Je sais plus. Non, je crois que je vais pas crafter la dernière fois. Alors, écoute, on a reçu deux aires d'atterrissage pour. Vendeur et deux aires de lancement. Formidable. Ah, un ordinateur vient d'arriver. À deux, du coup. Ah, une batterie. Ah, il me le. C'est une MK2? Ah non, la merde. Oula, c'est gros ça. Un réservoir portable MK2. Le réservoir portable MK2. Mais on va déjà. C'est le truc que tu fixes au sol. Ah, on fait comment pour le poser? Ah, yeah! Mais du coup, en MK2, on l'avait pas encore. Si, si. Ah bon? Ok. Je l'avais fait par erreur. Ok. Je m'en suis servi pour vider le tout premier fourneau pour le mettre dans le système Atmo. Ouais, du coup, il faudra repousser celui-là si on fait un double sauce. Mais ouais, c'est pas con comme idée, Larex. Merci, Larex, tu peux faire ça aujourd'hui, s'il te plaît. Je reviens. C'est vrai qu'on l'a pas noté sur le mur des idées, ce truc-là. Et du coup, faut que je fasse sur les deux pans de mur, bye bye. Euh,
C'est très con ce que je suis en train de faire, je crois. Je crois que je démonte un câble. Voilà, c'est juste beaucoup moins cher. Enfin, beaucoup moins cher. Je sais pas si c'était cher de l'épingle non plus, mais. Un truc comme ça. Ouais, c'est moins pire. Allez, va pour ça. Ça reset à chaque fois. Ok, parfait. Alors, si je devais mettre l'escalier... Oh, pour éviter de gêner, je la mettrai bien l'escalier ici. Avec des rambardes, évidemment. Un peu dangereux, sinon.
Ok. Ouais, je pense que ça va pas cacher tant.